Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, suite à une demande de la communauté sur ma chaîne, nous allons aborder un tuto hélicoptère. Et on va reprendre les bases, on va partir un peu de zéro. Et je vais essayer d'être aussi clair que possible pour vous expliquer comment vole un hélicoptère et comment vous pourrez être amené à piloter un hélicoptère dans Flight Simulator avec on va revoir les commandes de base. On va faire un parallèle éventuellement avec les avions, même si je n'aime pas trop faire de parallèle entre un hélicoptère et un avion, ça ne vole pas de la même façon, même si des principes aérodynamiques s'appliquent aux deux, hein, bien sûr. Donc aujourd'hui on va prendre cet appareil, le H125. Voilà. On va voir les commandes de pas cyclique, collectif, le palonnier, la motorisation, et je vais vous expliquer ensuite pas à pas, une fois qu'on aura bien vu les instruments de bord et le principe de commande de vol. On va voir ensemble les différentes phases. Donc le décollage, le stationnaire, on va faire ensuite un vol ensemble d'apprentissage de la machine, j'ai envie de dire, où on va voler au ras du sol à très basse vitesse. Et le but, ça va être de faire des circuits comme ça pour prendre en main l'hélicoptère, prendre en main les commandes et essayer d'être le plus précis possible. Ça, c'est une phase indispensable en hélicoptère. En hélicoptère, il faut être très souple sur les commandes. Donc déjà, je vais vous dire qu'il va falloir un joystick. Piloter un hélicoptère par le clavier, je sais pas, pour moi envisageable. Il va falloir un axe, au moins un axe pour les gaz. Et il va falloir, si possible, c'est préférable un palonnier. Pour ceux qui ont un joystick avec un palonnier intégré, ça va être faisable. Moins facile, mais faisable. Voilà, ça c'est dit déjà. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ces évolutions à basse vitesse, au-dessus du sol, on va voir les phases suivantes qui sont l'accès à la piste, le décollage, donc l'accélération, la prise d'altitude, le maintien en vol à des vitesses lentes, les virages, pour ensuite accélérer, voir comment se comporte l'hélicoptère à des vitesses un peu plus élevées. Ensuite, on va apprendre à ralentir notre hélicoptère. Comment on le ralentit, et ensuite on va aborder la descente. Comment on descend notre hélicoptère, voilà, à quel régime, là ce sera propre au H125, mais en l'occurrence, cette technique s'appliquera à l'ensemble des hélicoptères, même si, bien sûr, chaque hélicoptère est unique. Certains seront à piston, d'autres à turbine, là en l'occurrence on est sur une turbine. Pourquoi je commence par les turbines? Parce que c'est les plus communs, c'est les plus performants et c'est les plus communs. Donc c'est ceux que vous rencontrerez le plus souvent dans Flight Simulator. Et donc une fois cette descente maîtrisée, on verra les circuits d'aérodrome en hélicoptère pour faire des approches et on abordera bien sûr comment se poser. Et ensuite, comment rejoindre la zone de parking. Voilà, des modes de décollage, il y en aura plusieurs. On peut décoller verticalement, on peut décoller en translation, comme on appelle. Mais voilà, on va voir tout ça ensemble. Allez, je vous dis à tout de suite après le jingle. C'est parti pour votre première leçon de pilotage en hélicoptère. À tout de suite. Voilà, donc on va commencer tout de suite notre vidéo. Donc l'instructeur nous attend en place passager. Et nous allons nous approcher de l'hélicoptère et dans un premier temps, nous allons voir les différents éléments de l'hélicoptère. Donc le cockpit, bien sûr, avec la partie passager éventuellement, c'est pas obligatoire. Les patins, donc ça peut être des roues, ça peut être des skis, ça peut être des boudins pour la partie nautique. Et puis nous avons ici toute la partie motorisation, donc là en l'occurrence une turbine.
Ça peut être des moteurs biturbine ou ça peut être des moteurs à piston. Et nous avons un rotor principal. Voilà, qui va permettre la portance de notre machine. Ensuite, on va aller vers la queue de l'appareil. J'ai recentré ma vue, excusez-moi. Et vers la queue de l'appareil, on va avoir donc ici notre échappement. On va avoir un ensemble ici de stabiliseurs en fait qui va permettre avec la vitesse de faire en sorte que notre queue, que notre hélicoptère ne fasse pas un tangage. Et puis nous avons notre queue de rotor. C'est le rotor anti-couple. Notre rotor de queue, pardon, c'est notre rotor anti-couple. Je vais souvent employer le mot couple, anti-couple. Voilà. Donc, et nous avons bien sûr une dérive qui, elle, avec la vitesse du vent sur l'appareil, sur cette dérive, va éviter que l'appareil bouge en lacet, à droite et à gauche, ici en lacet. J'espère que c'est bon pour tout le monde pour le lancer lacet, tangage, roulis. Bref, rappel, hein, le tangage, c'est quand mon nez plonge vers l'avant ou se relève et que l'arrière lève ou descende. Le roulis, c'est quand je vais être sur l'axe de mon hélicoptère et qu'il va s'incliner à droite ou s'incliner à gauche. Le lacet, lui, en fait, l'arrière va aller à droite ou à gauche par rapport à ma cabine. Voilà. Donc, ici, on a souvent, très souvent, sur les hélicoptères, une butée. Hein, puisque quand on va vouloir freiner, on va amener vraiment notre arrière, l'arrière de l'hélicoptère, assez bas en hauteur par rapport à notre cabine. Et donc, c'est une sécurité pour que ceci vienne taper plutôt que la dérive et vienne endommager l'appareil. Voilà, donc rien de particulier pour le côté gauche. Hein, c'est comme voilà, donc j'ai pris aussi cet appareil pour une bonne visibilité. Hein, ça reste, c'est pas la meilleure visibilité, mais il y a une bonne visibilité tout de même. Voilà, bah, écoutez, on va commencer tout de suite. On va fermer la porte latérale. On va rentrer dans le cockpit et puis on va fermer cette porte-là. Hop. Voilà, je vais rajouter mon petit poids pilote. Ouais, je ne pèse que 70 kilos. Voilà, on a le poids pilote, on a le poids passager, enfin, me demande l'instructeur. Et nous n'avons aucun autre système rajouté, pas de phare additionnel. Voilà, on va faire simple aujourd'hui. Donc, quand on est dans le cockpit, on regarde déjà la visibilité qu'on a. On voit qu'on a une fenêtre sur le dessus pour les virages qui peuvent être un peu serrés. On a une bonne visibilité sur la droite. Une visibilité très correcte devant. On peut toujours se décaler. Et ici, on a un petit cache ici qui nous permet d'avoir une vue verticale. On va les laisser ouvertes. Et on a une bonne visibilité ici sur la partie avant droite. C'est souvent le cas en hélicoptère. Et en hélicoptère, on est toujours assis à droite. Alors pas toujours en réalité, mais la plupart du temps, on est assis à droite. Voilà. Et au niveau des instruments de bord, il va y avoir des instruments primordiaux. Alors là, on a une partie numérique sur le H125, mais on pourra avoir une partie analogique pour les moteurs. En l'occurrence, ce sera numérique, c'est pas très grave. On aura quand même un indicateur de compteur en numérique. Donc on aura quand même des flèches avec des niveaux. Donc c'est comme si on avait un analogique. Et puis ici, notre vitesse en nœuds, classique, comme sur un avion. Notre horizon artificiel, là aussi, on retrouve les mêmes éléments qu'un avion. Notre altimètre et notre variomètre, on monte, on descend. Bien sûr, l'altimètre est important, la vitesse est importante. Bon, là, je passe, c'est pour le cap, et ici, le radar altimétrie. Ce qui va être super important pour cette leçon, c'est bien sûr les indicateurs moteurs, température, etc. Mais c'est l'admission qu'on va mettre à notre moteur. Voilà notre torque qu'on va appliquer sur notre rotor principal.
ça va être notre réseau artificiel. Vous allez voir, on va faire beaucoup d'exercices avec le réseau artificiel que vous allez pouvoir reproduire vous à votre niveau. Et mon variomètre. Est-ce que je monte ou est-ce que je descends? Et vous allez voir que pour comment, avant de démarrer l'hélicoptère et de faire nos premiers sur place, dans une configuration où on va dire que les masses sont bien centrées, c'est très important dans un hélicoptère, et si on est beaucoup trop chargé en arrière, on va avoir vraiment des difficultés, ou tout à gauche par exemple, et bien quand on va être avec notre horizon artificiel sur la ligne d'horizon et notre vertical speed à zéro, donc on aura mis suffisamment de gaz pour maintenir un stationnaire, notre hélicoptère va avancer. Quand on sera à l'horizon artificiel sur l'horizon, notre hélicoptère va avancer. Donc en fait, notre hélicoptère, il va vouloir avancer tout seul. Voilà, il est prévu pour ça. Il a un angle qui fait que notre hélicoptère, à partir du moment où on va mettre les gaz, il va vouloir avancer. Il va pas vouloir avancer très très vite. Il va avancer à 40-50 nœuds max, mais vous allez voir, il va vouloir avancer. Donc au départ, on va toujours chercher à corriger le fait qu'il veuille avancer, quand on va vouloir faire un stationnaire par exemple. Voilà, donc ça c'est important à prendre en compte. Maintenant au niveau des commandes de vol, on a vu le tableau de bord. Au niveau des commandes de vol, on a le palonnier ici, qui va commander le rotor anti-couple à l'arrière. On a notre cyclique, c'est notre manche, et on va l'appeler cyclique. Et vous allez voir que ce cyclique, on va vraiment, là je fais des grands débattements, on va vraiment y toucher, mais très très peu. Mais alors de l'ordre, en tout cas au début, hein, pour apprendre, on va vraiment faire des mouvements, mais tout fin, tout fin, tout fin. Il va falloir être très souple sur les commandes. En hélicoptère, c'est hyper important. Il y a deux règles en hélicoptère, c'est très souple sur les commandes et anticiper. Parce que chaque commande va avoir un délai de réaction qui sera beaucoup plus long qu'en avion. Et c'est ça généralement qui déroute un peu les gens. Mais quand on a appris à maîtriser, à anticiper et à prendre en compte ce retard sur les commandes, et bien en fait c'est hyper gratifiant. Et enfin, le collectif, voilà, que je vais pouvoir augmenter, diminuer. Le collectif est souvent lié à un rotacteur pour augmenter la puissance moteur. Là, cet appareil-là, il est simple. C'est soit on est en idle, on est au ralenti au sol, on ne veut pas voler, donc soit on est sur flight. Mais certains hélicoptères, comme les moteurs à piston, on va en plus de régler le collectif, régler la puissance des moteurs. Et vous allez me dire, bah, régler la puissance des moteurs, le moteur il tourne, c'est pas le collectif qui fait qu'on augmente les gaz? Ben non. Non, c'est pas le collectif qui fait qu'on augmente les gaz. Votre rotor principal, il tourne à une vitesse constante. Le but, c'est que lui, il tourne à une vitesse toujours constante, qui est liée justement au mode ici, en mode flight, en mode idle ou en mode réglable pour certains appareils. Et à partir du moment où on est à vitesse constante, le collectif, ici, il va appliquer un angle d'incidence sur nos pales. Regardez, j'augmente le collectif, un peu comme les volets ou les ailerons, hein, sur votre avion. J'augmente le collectif, là on voit ici, voilà, j'augmente l'incidence. Donc pour une même vitesse, j'augmente l'incidence de mes pales, donc l'air qui s'écoule sur mes pales. Là, ça augmente la portance, donc ça soulève mon hélicoptère. Ça a ses limites. Voilà. Et quand on va augmenter le collectif, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme l'air ici va, ça va augmenter la portance, ça va aussi vouloir ralentir le rotor, parce que là, le rotor, faut qu'il fournisse beaucoup plus d'énergie, de puissance, pour augmenter, pour aller à la même vitesse, tout en ayant une incidence de pales grande. Donc, il va rattraper cette énergie, on va le voir quand on va mettre un peu trop d'incidence, il va un peu baisser, on va entendre buuuu, et puis il va essayer de rattraper. Buuuu. Donc ça c'est une, on l'entend au son. Voilà, on l'entend au son, donc on fait attention de ne pas mettre pleine incidence
De toute façon, on y va, je vous l'ai dit, en hélicoptère, tout doucement. Et concernant maintenant le palonnier, donc on a vu pour le rotor principal, on va mettre du collectif, on va augmenter l'incidence de pales, donc on va avoir de la portance. Et notre appareil en vue de dessus, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si là on voit, c'est un moteur qui tourne à droite, on a des rotors qui tournent à gauche. Notre rotor tourne à droite, c'est un 3 pales, on peut avoir des 5 pales, des 2 pales, tout dépend de l'hélicoptère. En tournant à droite et en mettant un peu de collectif, donc on va augmenter la portance, que va faire l'hélicoptère? Bah, lui, il va vouloir aller dans l'autre sens. Mon moteur est au centre de l'hélicoptère, donc si mes pales, mon moteur entraîne les pales dans le sens des aiguilles d'une montre, mon hélicoptère va vouloir aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et plus je vais mettre de collectif, plus ça va être cet effet va être important. Et donc on a un rotor de anti-couple. On parle bien du couple ici qui est appliqué au rotor principal. Eh bien, on a le rotor anti-couple. Et quand on va, je vais zoomer, quand on va bouger nos palonniers, on va là aussi affecter un angle d'incidence sur notre rotor anti-couple. Voilà. Notre arbre du rotor anti-couple est lié au rotor principal. Quand le rotor principal tourne, on voit toujours notre rotor anti-couple, il tourne avec quand on démarre les moteurs. Sur tous les hélicoptères. Et c'est lié par un arbre qui passe ici. Ce qui fait que la vitesse que j'aurai ici sera proportionnelle ici. Ce qui fait que je vais toujours avoir quand même un petit couple. Un peu de rotor anti-couple ici au démarrage de mon hélicoptère. Donc, quand je vais mettre les gaz pour augmenter ma portance, donc je vais mettre du collectif pour augmenter, là on le voit, mes pales, le couple sera encore plus important et il va falloir compenser à l'opposé. Donc on a dit sans aiguille d'une montre pour la S350. Donc il va falloir compenser avec le palonnier à droite parce que mon hélicoptère va vouloir tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on va compenser en augmentant ici notre rotor anti-couple. Voilà comment fonctionne un hélicoptère. Et on va maintenant reprendre place à bord et on va pouvoir mettre en route la machine et on va voir tout ça. En démonstration dynamique. Voilà, donc on est prêt pour la démonstration dynamique. Donc on va commencer par mettre en route la machine. Voilà, donc là c'est propre à cette machine, je fais pas tuto là-dessus, c'est pas ce qui nous intéresse, là c'est vraiment la partie générateur, la batterie, anti-collision, là c'est vraiment la partie pilotage qui nous intéresse. Donc, le petit starter là. On va laisser prendre vie l'appareil. On est bon. Ok. Donc, on se rappelle, ici, je vais avoir un affichage de TOT. Ici, je vais avoir mon torque. Voilà. Hein. Mon torque, ça va vraiment être mon couple. Et plus la flèche sera élevée, et plus j'aurai de couple appliqué, donc, au niveau de mon rotor principal. Et plus je devrais éventuellement compenser avec la gouverne, avec le pédalier pour compenser la dérive. Voilà. On va... Les lumières, c'est bon. Ok. Allez, on va commencer tout de suite. Hop, ça, on valide. Et on est parti pour le starter. Helicopter Charlie, Golf Juliet Papa, Charlie request taxi for takeoff departing straight out. Helicopter Charlie, Golf Juliet Papa, Charlie taxi to an Donc vous avez vu, hein, on a bien le rotor principal qui entraîne notre rotor anti-couple, notre rotor de queue. Taxi to and hold short runway 25 helicopter Juliet
Voilà, ici on est stabilisé, on aura d'autres modes ici hein, qui nous permettront de voir un petit peu. Hein, donc là on a bien le torque comme je vous ai dit. Et sinon on a le torque ici avec la puissance donnée. Mais je vais préférer prendre celui-ci. Et on va mettre en mode flight. Et là on va voir clairement que la puissance va augmenter, le torque également. Mais on est bien sûr le collectif à zéro, hein, manche au neutre. On va pouvoir mettre les pitots. Ok. Et là, là. Voilà, donc là, notre hélicoptère, il est stabilisé. Et au sol, on a les manches neutres. On a le collectif au neutre, les pédales au neutre. On a dit qu'il tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, l'hélicoptère va partir à gauche quand on va mettre du collectif. Donc là, on va y aller vraiment doucement. Il va se passer, en fait, dans un hélicoptère, il se passe plusieurs choses. Quand on va mettre du collectif, quand on va faire une action sur le cyclique ou du palonnier, ça va agir sur les trois autres domaines, les deux autres domaines. Tout est lié. Le collectif va nous induire du lacet. Ce même lacet, quand on va compenser, va nous induire du roulis. Ce roulis qu'on va devoir compenser avec ou du tangage. Ce roulis qu'on va ou du tangage qu'on va compenser par le cyclique qui lui-même va affecter d'autres. Ouais, c'est pour ça qu'on est toujours toujours en équilibre. La phase où on est à peu près tranquille en hélicoptère, c'est la phase de croisière où là on a moins d'action à contrer. La phase la plus critique, c'est clairement le stationnaire. C'est le plus difficile. Et on va commencer par ça parce que c'est quand même par ça qu'on doit commencer pour maîtriser un hélicoptère. Allez, donc on va commencer à mettre tout doucement, du collectif. Et on va voir comment l'appareil réagit. Et je sais que je vais partir à gauche, donc je vais mettre du palonnier à droite, très légèrement. Et ici, je check, je continue à augmenter. Mon torque augmente, 21,5, 22. Là, la portance va augmenter, mes pales d'hélice vont commencer à se courber. Donc là, vous avez vu, j'ai une vitesse moteur qui est constante. Elle tourne toujours pareil. Mon collectif vient vraiment appliquer un effet sur les pales de mon rotor. Je continue tout doucement, je cherche mon point d'équilibre. Je mets un petit peu plus de palonnier parce que j'ai augmenté encore mon couple. Et là, l'appareil va vouloir partir, peut-être enrouler à gauche, à droite. Alors là, pour faire vos essais, je suis à météo, zéro vent. Super important. Entraînez-vous toujours avec zéro vent. Vous aurez bien l'occasion de checker le vent. Et je vous ai dit tout à l'heure, mon appareil va vouloir aller de l'avant. Il va vouloir avancer. Donc on va naturellement reculer légèrement notre cyclique. Si je laisse mon cyclique au neutre, regardez si je me. Voilà, vous avez vu? Hop, il veut avancer. Voilà, donc ça, c'est dangereux. Donc je vais reculer mon cyclique. Et je vais remettre un peu de gaz pour avoir un point d'équilibre. Quand mes skids ils vont quitter le sol, on va voir si mon palonnier. Alors, tac, là j'avais mis trop de palonnier. Voilà, un peu en arrière. Donc là on a quitté le sol. Donc je vais chercher mon point d'équilibre. Je ne touche plus au collectif. Quitte à me reposer, c'est pas grave. Voilà, là je me repose, mais c'est pas grave. Je cherche le point d'équilibre. Je suis au ras du sol, je cherche le point d'équilibre. Je vais mettre un tout petit peu plus de collectif. Si l'hélicoptère part à gauche, je mets un peu de roulis à droite. S'il part à droite, je mets un petit peu de roulis à gauche. S'il va en avant, je mets un peu en arrière mon cyclique. Là, je ne touche pas du tout au collectif. Je cherche un point d'équilibre. Alors, on prend un repère visuel. Moi, je me repère au Beluga, là. C'est très pratique. Voilà, au moins pour l'axe en tout cas. Pour l'axe, le Beluga. Et après, on voit bien la texture du taxiway, enfin du parking. Donc, c'est facile de voir si on est stable ou pas. Toujours chercher un point d'équilibre au loin. Jamais vraiment à proximité. Donc voilà, là je ne touche pas aussi au collectif. Hein. En plus, je bénéficie de ce qu'on appelle l'effet de sol. Les pales d'hélice qui
projette l'air vers le sol, puisque là il y a de la portance, donc vont générer des sortes de vortex qui vont remonter vers le haut et va nous faire un effet de sol. Donc avec cet effet de sol, on va pouvoir être en lévitation à un régime moteur relativement faible. Si je voulais être en stationnaire à 100 mètres de haut, là, je devrais mettre plus de puissance qu'au ras du sol. Voilà. Donc voilà, je m'entraîne à faire ça. Et entraînez-vous à faire ça. Entraînez-vous à garder ce stationnaire. Si ça part à gauche, je vais à droite. Si ça va en avant, je vais en arrière. Voilà. Chaque pilote d'hélicoptère fait toujours un point de stationnaire avant de partir. Toujours. Ça vérifie son équilibrage d'hélicoptère par rapport au carburant, aux passagers, etc. Et on vérifie qu'au niveau commande, bien sûr, on n'a aucun souci. Donc vous voyez ma bulle là, je suis légèrement en arrière, mon horizon artificiel. Voilà. Ça c'est pour le premier exercice, stationnaire. Voilà, parfait stationnaire. À quelques centimètres du sol, pas besoin d'aller beaucoup plus haut. Le deuxième exercice, bah, maintenant qu'on arrive à faire un stationnaire, on va chercher à se déplacer à allure très lente sur une piste, sur un parking comme celui-ci. Donc on va commencer à ramener les gouvernes, le palonnier sur la droite. On va enlever, là j'avais du palonnier à gauche hein, pour contrer, et ben je vais enlever le palonnier à droite. Et je vois ce qui se passe. Donc là j'avance, hop, je mets mon cyclique en arrière, je veux pas avancer, je vais juste faire un 90 degrés. Ce qui est fait, j'essaie à gauche, voir ce qui se passe, et j'essaie toujours de maintenir tout doucement, tout doucement, tout doucement. On touche vraiment sur le bout des doigts. Beaucoup de pilotes d'hélicoptère sont avec deux doigts hein, sur le haut du joystick, hein. Du manche, hein. C'est vraiment du cyclique. C'est vraiment très fin, très très fin. Voilà, donc là j'ai vu, ok, très bien, je sais faire un 90 degrés à droite, un 90 degrés à gauche, et je vais pouvoir aller un petit peu de l'avant, je remets mon cyclique en avant et je le ramène tout de suite en arrière, sinon je vais prendre trop de vitesse, et je vais me déplacer à très faible allure. On parle de la vitesse d'un homme qui marche à pied, c'est pour vous dire, pour faire ses premiers essais, on doit se déplacer à la vitesse d'un homme qui marche à pied. Et donc, si on va trop vite, on tire un peu sur le manche. Je ne touche toujours pas au collectif. Les gaz sont toujours au même niveau. J'ai même pas la main dessus. On voit qu'avec l'effet de sol, on arrive à se déplacer tout doucement. Sans difficulté. Et puis, on peut maintenant faire des petits virages tout doucement. Là, on voit, on va un peu trop vite sur notre gauche. On ramène à droite. Voilà. On va essayer de suivre la ligne blanche, là, de pointillés. C'est un bon exercice. Donc là, hop, je ramène un peu en arrière parce que je vais un peu trop vite. Je vais un peu plus vite qu'un homme qui marche à pied. Je suis pas dans l'axe, je me mets dans l'axe. Je vais mettre un peu de palonnier à gauche. Et je vais essayer de suivre cet arc de cercle. Et je fais attention de ne pas aller trop vite. Là, je ne touche que le palonnier et que le cyclique. Je ne fais que deux axes pour le moment. Parce que si je touche au collectif, ça va m'induire d'autres problématiques au niveau de mon collectif, de mon cyclique et de mon palonnier. Voilà, je suis ma petite piste tranquille, je vais un peu à gauche, donc je me ramène à droite. Et là, faites-vous la main comme ça. Faites-vous la main, faites beaucoup. Il faut faire beaucoup, je vous assure. Il faut vraiment maîtriser cette partie-là, c'est la plus importante. C'est la plus difficile, mais c'est la plus importante et c'est la base. Et quand vous aurez maîtrisé ça, après le reste, vous verrez, sera beaucoup plus simple. Donc voilà. On continue et puis bah, je vais m'arrêter, donc je mets un petit peu de cyclique en arrière, voilà là, et puis et je cherche le point d'équilibre, le même point d'équilibre que j'avais tout à l'heure. Voilà, j'ai mon point d'équilibre, voilà. Donc ça, vous faites des essais plein de fois, et quand vous aurez fini cet exercice, vous faites des carrés, vous faites des 8 sur un parking, vous faites toutes les figures que vous pouvez à cette vitesse de marche d'homme. Eh bien, on va voir la prochaine étape. Maintenant qu'on sait se déplacer à vitesse faible, eh bien, on va aller vers la piste. On va s'aligner. On va faire le même procédé.
On va faire attention de ne pas aller trop vite. Bon, là, on peut aller un peu plus vite qu'une vitesse, qu'une marche d'homme quand même. Et on va s'avancer tranquillement vers la piste. Et on va toujours mettre du palonnier pour contrer le lacet. On va mettre du cyclique pour contrôler le tangage et le roulis. Et je ne touche toujours pas à mon commande de collectif. J'ai pas de vent, j'ai pas de, y a pas de raison que mon hélicoptère descende ou monte. Pourquoi on fait cet élément-là de décollage progressif? Parce que là, si mon moteur se coupe, si on fait un décollage vertical, vraiment dans l'axe vertical, je monte. Des fois, on n'aura pas le choix. On aura des arbres autour, des bâtiments, donc on devra décoller verticalement. Mais partout où on va pouvoir décoller en prenant de la vitesse au ras du sol, on le fera. Parce que en cas de panne moteur, si vous êtes à 100 mètres de haut en vertical, vous n'avez plus de portance, vous tombez comme une pierre. Là, s'il n'y a plus de portance, je suis à même pas un mètre du sol. Ça va taper un peu, mais je vais pas me foutre en l'air. Voilà. Donc là, on arrive au niveau de l'entrée de piste. On applique toujours notre procédure. Je ne touche toujours pas au collectif. Je mets un peu de cyclique en arrière. Et ça me ralentit mon appareil. Et je joue au palonnier. Voilà, clear for take-off. Et je joue au palonnier pour l'axe, pour garder le cap. On va se mettre sur la piste. On va faire un départ par la droite. Donc on check quand même. Hein, on a le feu vert, mais on check qu'il n'y ait pas, quand même pas d'appareil. Hein. Non, on va faire un départ par la gauche plutôt, parce qu'on a plus de pistes et je vais vous montrer le mode décollage. Donc on fera le décollage vertical ensuite. Là, on va faire le premier mode décollage. Donc sur piste classique. Donc là, on applique ce qu'on s'est entraîné à faire pendant des heures. Je me mets dans l'axe avec le palonnier. Je stabilise mon hélicoptère. Et je recentre ma caméra. Et je fais mon stationnaire et je suis prêt à partir. La procédure va être la suivante. Vous allez voir, je ne vais pas toucher au collectif. Mon appareil, on l'a dit tout à l'heure, quand il est en sustentation dans l'air comme ça, quand il a une portance qui lui permet d'être en stationnaire, je cherchais mon mot, à force de le dire. Donc en stationnaire, donc il va vouloir avancer. Là, je tire légèrement sur le collectif, sur le cyclique en réalité. Hein. Sinon, il veut avancer. Donc, je suis toujours un peu le cyclique en arrière. Et ben là, je vais arrêter de le retenir très très peu. Très très peu. Et je vais le remettre en arrière. Et je vais laisser l'appareil. Je mets pas de collectif, je mets pas de gaz. Je ne joue qu'avec mon palonnier et mon cyclique. Et là, je vais le laisser prendre de la vitesse tranquillement. On a l'effet de sol. Et au fur et à mesure, je vais relâcher mon cyclique en avant parce qu'on voit mon variomètre, il veut monter mon hélicoptère, vous avez vu, il veut monter. Alors que j'ai même pas mis de gaz, hein. Je ne touche pas au collectif. Il accélère et il veut monter. Alors je pousse le nez en avant pour rester à zéro, bénéficier de cet effet de sol. Et j'accélère et je suis à 50 nœuds. Et là, je tire légèrement sur mon cyclique et je suis en vol. Alors que je n'ai pas du tout touché à mon collectif à partir de mon stationnaire. Et là maintenant, je vais pas chercher à aller vite. Je vais descendre mon collectif. Je vais couper un peu les gaz. Je vais chercher à être sur l'horizon artificiel à zéro, à plat, avec une incidence de zéro. Et je vais jouer avec mon cyclique pour rester bien plat. Je reste dans l'axe. Je diminue encore mon collectif parce que je vais être un variomètre à 0. Je suis maintenant encore un peu au-dessus de 0 et je vais être sur l'horizon artificiel à plat. Et je suis à 0, horizon artificiel à plat. Et vous allez voir que mon hélicoptère avance tout seul. Et ça, c'est la vitesse. Sur chaque hélicoptère, vous allez faire cette vitesse et vous verrez la vitesse. Moi, je suis à peu près à 50 nœuds. Je vais remonter un petit peu.
mon horizon pour être bien à plat. Je vais baisser encore un peu le collectif. Donc je serai plutôt à 45 nœuds. Voilà, je suis à plat. Et vous voyez que mon hélicoptère, il avance. Il avance mon hélicoptère alors que je ne mets pas d'inclinaison de pale. Et je suis à plat. Et bien, à partir de cette vitesse-là, de 40, 50 nœuds, tout dépend des appareils. Là, j'en mets un petit peu de collectif. Mon appareil veut descendre un peu. On va voir les bases. Si j'augmente mon collectif, eh bien, naturellement, je vais augmenter mon variomètre et il va prendre de l'altitude. Et je reste à plat. Il n'y a pas de raison que je bouge mon tangage. Je reste à plat. Et je mets du collectif. Et il va monter. On reste dans ces vitesses entre 40 et 50 nœuds. Parce que là, on est là pour apprendre. On n'est pas là pour aller vite. Et vous avez vu, il ralentit pas. Pourtant, je reste à plat. Et il ralentit pas. Comme je mets plus de collectif, bah, il monte. Mais il reste sur cette vitesse. Et voilà. Et je grimpe. Si maintenant je ramène mon collectif, je me remets bien à plat, toujours. Je cherche toujours mon horizon artificiel à plat. Je diminue mon collectif. Ma vitesse, elle ne bouge pas. Je suis toujours à 45 nœuds. Toujours à plat. Et je me remets sur 0 et je suis de nouveau dans ma phase de vol à basse vitesse, mais totalement contrôlée. Si je veux descendre, même chose, je baisse mon collectif, mais je reste à plat, je ne pique pas du nez. Ça, c'est le nouvel exercice que vous devez apprendre à faire en fait. Voilà. Et je remets du collectif pour repasser à 0. Je remets bien mon horizon, sans quoi je vais accélérer. Maintenant, je suis bien stabilisé, horizon artificiel sur l'horizon. Je remets un peu de collectif pour être à 0 au niveau du variomètre. Ok, et j'entame un virage à gauche. Tout doucement, j'amène mon cyclique à gauche. Je reste sur l'horizon. Je peux lâcher un peu de palonnier, ou mettre un peu de palonnier. Et je vais faire mon virage tout doucement. Je reste bien sur l'horizon. Et je fais mon virage aux mêmes vitesses de vol que tout à l'heure. Et ça, pareil, nouvel exercice. J'apprends à faire des virages. Et on retourne vers notre aéroport. Le but, c'est pas d'aller vite. On apprend. Avant de courir, il faut savoir marcher. Alors, on a vu, je perds un peu d'altitude. Normal, j'ai baissé le nez, j'ai pris de la vitesse. Je remonte un peu le nez. Et je vais baisser un peu mon collectif. Alors, quand on est en virage, comme pour un avion, on va avoir un peu moins de portance, forcément, puisqu'on va être incliné. Nos pales, c'est nos ailes, hein. Donc comme elles seront inclinées, il y aura un peu moins de portance verticale. Donc on va devoir mettre un peu plus de collectif, très légèrement. Et maintenant, si je veux faire la même chose mais plus vite, parce que je veux, maintenant que j'ai maîtrisé ça, pendant un quart d'heure, j'ai fait des ronds, et je veux aller plus vite. Donc pour accélérer, je vais baisser mon nez, je vais mettre du collectif pour rester à 0 en vertical speed, là par exemple. Voilà. Et je vais baisser mon nez, mais pas plus, pas beaucoup. Et je vais stationner comme ça, je suis à moins 5 là. Moins 5 de... Et je vais rester avec un angle entre moins 5 et moins 10. Et je vais régler mon collectif pour être à 0 au niveau de mon vertical speed. Vous voyez ma vitesse, 80 nœuds. Je maintiens cet angle. Et je vais accélérer tout doucement, je relève un peu le nez, voilà, pour être à 0. Je garde cette incidence. Voilà, et là j'ai une vitesse honorable de croisière de 85 nœuds en légère augmentation. Je pense qu'on va atteindre 90 nœuds. Si je veux aller encore un peu plus vite, je mets un peu plus de collectif. Ça va, le variomètre va augmenter
va vouloir monter. Je vais B piquer du nez pour ramener à 0. J'aurai donc un peu plus de tangage. Je vais accélérer. Et si je mets encore plus de collectif, il va falloir que je compense en baissant encore le nez. Et je vais rester à 0 en variomètre. On voit mon angle qui est là vers les 7-8 degrés, voire presque 10 degrés, pour stabiliser à 0 mon variomètre en baissant mon nez. Je ne touche pas aux commandes de collectif là. J'ai mis plus de gaz, mais maintenant je ne touche plus. Je ne joue qu'avec la partie cyclique. Et là, je suis à 110 nœuds. Donc, une vitesse de croisière assez rapide pour cet appareil. Je relève un peu le nez pour pas trop descendre. Et là, je suis stabilisé en vitesse. Maintenant, je veux ralentir. Eh bien, ralentir, je vais, avec le cyclique, relever le nez et je vais descendre mon collectif pour être toujours en variomètre 0. On va ralentir en mettant le variomètre à 0 et en ramenant le cyclique vers soi. Et une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on ne touche plus à rien. On règle juste le cap. Voilà. Et l'avion va, l'hélicoptère va ralentir tout seul. On lui laisse le temps. Je vous ai dit, c'est lent. Les commandes, voilà, il a l'inertie, l'hélicoptère, il va pas ralentir comme ça de 80 à 0 nœuds. En... Voilà, et là on ralentit, on ralentit, on cherche toujours notre vertical speed à 0. On va chercher notre horizon artificiel sur l'horizon, notre avion sur l'horizon, et notre vertical speed à 0. Et on coordonne ces deux instruments-là, et vous voyez, je ralentis 65 nœuds. Et je suis plat, je suis à plat, je ralentis à plat, je ne perds pas d'altitude, je n'en gagne pas. Je vais mettre un peu de palonnier maintenant parce que plus on va perdre de vitesse et moins on aura d'action de la dérive. Donc on va devoir mettre du palonnier pour compenser le couple. Et voilà, et je retrouve mon horizon artificiel à l'horizon, mon vertical speed à 0 et ma vitesse initiale de 40-50 nœuds. Voilà, et c'est avec cette vitesse là que je vais faire mon approche, tout simplement. Donc là je sais faire un virage. Je vais mettre un peu de roulis par la gauche. Je vais bien checker mon horizon, que je sois bien toujours sur l'horizon. Je vais faire attention à ma vertical speed, quitte à mettre là par contre un peu de collectif pour compenser le fait qu'on soit penché, donc on a un peu moins de portance. Et je fais faire mon virage tranquillement. Toujours zéro, horizon artificiel. Je fais un virage à plat. L'avion est stable, les passagers en plus sont contents parce que l'avion, l'hélicoptère, pardon, est stable. Il est bien plat. Et là, on voit ma piste. Donc maintenant, on va aborder un nouveau chapitre qui va être la descente. La descente, même principe. Horizon artificiel à 0. Je règle mon collectif pour être en vertical speed à 0. Je sélectionne un point de descente et je vais faire en sorte de descendre mon vertical speed à moins 5 par exemple, en baissant le collectif mais en gardant bien mon horizon artificiel à plat. Donc je descends mon collectif jusqu'à moins 5 et je garde mon horizon artificiel à 0. Et vous allez voir, ma vitesse elle descend pas ou très peu. Parce qu'avec la descente, en fait, il garde la vitesse l'hélicoptère. Et voilà, et je descends. Et je mets plus ou moins de collectif en fonction du taux de descente que je veux prendre. Je vois ma piste comme mon avion. Hein. Je suis trop bas, ben je vais mettre plus ou moins de collectif. Et avec cette méthode-là, d'atterrissage, entre guillemets, il n'y a aucun risque de vortex qu'on verra un peu plus tard. Parce qu'on a de la vitesse. On est sur notre vitesse des 40-50 nœuds de tout à l'heure, propre à cet hélicoptère-là. Mais d'autres, ça va être 40 nœuds, d'autres 60. Voilà, je descends un peu plus bas, je garde bien mon horizon artificiel à 0, sans quoi, ça c'est l'alarme radar, c'est pas grave. Sans quoi, je vais accélérer trop, c'est pas ce que je recherche. Je continue ma descente, je suis aligné à peu près sur ma piste, c'est bon.
Je continue ma descente. Je suis à la vitesse qui va bien. Et arrivé à une certaine altitude, je vais commencer à tirer le cyclique vers l'arrière. Ça va limiter mon vertical speed, ça va ralentir ma vitesse et je vais mettre du collectif. Parce que là, je vais perdre un petit peu en portance et maintenant, je vais jouer du cyclique, du collectif et du palonnier. Je continue à ralentir, je ne cherche pas vraiment à cabrer en arrière. On y va doucement sur les commandes, très doucement. Je ralentis, je ralentis. Là, je mets clairement du collectif puisqu'on voit que là, et là, je récupère mon effet de sol. Il est là. Il est là. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à tirer légèrement en arrière pour réduire ma vitesse ou au contraire accélérer si je vais passer vite. Et je vais pas me poser, hein. On va aller au parking. Et maintenant je reprends ce qu'on a fait tout à l'heure sur le parking, c'est-à-dire le déplacement à vitesse d'homme ou un peu plus vite en direction du parking. Et ça, je l'ai maîtrisé beaucoup de fois, donc maintenant je sais faire. Ben vous savez faire, donc il n'y a rien de très compliqué. Et voilà, on a bien quitté la piste. On prévient la tour. On check mon horizon sur mon horizon artificiel, bien sur l'horizon. Le variomètre bien sur zéro. Je ne touche plus au collectif là. Je suis vraiment sur cyclique. Je vais descendre un peu le collectif quand même parce que là il veut monter. Bien sûr, j'ai la main dessus, hein, si jamais l'avion tombe, que je puisse me mettre un peu de collectif, mais là j'ai l'effet de sol. Je continue tranquillement. Faites vraiment les manœuvres à basse vitesse. C'est là où vous aurez la meilleure maîtrise. Voilà, toujours sur l'horizon. Et puis, je vais me mettre à mon parking initial. Donc, je vais un peu cabrer mon hélicoptère, mettre un peu de collectif, mettre un peu de roulis pour éviter parce qu'il voulait partir à gauche. Donc, j'ai mis un peu de roulis à droite. Voilà, je cherche à mon stationnaire. J'ai mon stationnaire, pas encore. Il n'est pas très bien établi. J'avance un peu encore. Je cherche mon stationnaire. Voilà, les gaz, je n'y touche plus. Là, je suis bien. Maintenant, je ne joue qu'au palonnier, au cyclique. Beaucoup plus simple d'avoir que deux actions au lieu de trois. Là, j'ai mon stationnaire. Et maintenant, je peux aller un peu à droite. Enlacer. Je fais attention de ne pas dériver. Voilà, là, il voulait avancer et aller vers la gauche. Donc, je mets un peu de cyclique pour compenser tout ça. J'avance tout doucement. Vitesse 2. Là, faut vous entraîner beaucoup, vous verrez, ça va venir. Et je vais vous donner une petite astuce après, pour Flight Simulator. Voilà, donc là, je fais mon. Alors, j'y vais doucement parce que si je fais un 180, je risque de toucher le sol. Si je fais un 180 degrés rapide, je risque de toucher le sol. Je recherche mon stationnaire. Et quand je l'ai, je vais pouvoir descendre le collectif. Mon stationnaire est bon. Je descends tout doucement le collectif. Là, je viens de toucher. Et je diminue le collectif. Et on est posé. Voilà. La petite astuce que je vous disais, dans les options de Flight Simulator, dans les assistances, vous avez, dans le mode pilotage, la possibilité d'avoir un assisted tail rotor. Donc l'anticouple, si vous le mettez sur on, vous n'avez pas besoin, enfin beaucoup moins besoin de palonnier. C'est-à-dire qu'au stationnaire, il va automatiquement vous assister et vous mettre le rotor anticouple proportionnel au couple que vous mettez sur le rotor principal. Donc c'est super pratique parce que du coup, vous n'avez pas besoin vraiment d'agir sur le palonnier, à part pour faire des manœuvres particulières. Et l'assisté cyclique, je ne l'ai pas touché, mais ça vous facilite le pilotage en cyclique. Vous pouvez commencer par mettre ces options sur on. Ça permettra derrière de vous aider à faire ces manœuvres et ensuite vous enlever les options. Et ça vous permettra de piloter comme en vrai. Voilà. Il y a un autre mode que l'on n'a pas vu, c'est
le décollage vertical. Alors on va dire qu'on a des arbres tout autour, donc on n'a pas le choix, on ne peut pas faire de déplacement latéral. Donc le décollage vertical, on va chercher la même chose, on va toujours passer par un stationnaire. Et puis on va appliquer du collectif pour monter à l'altitude que l'on souhaite, au-dessus de la cime des arbres par exemple. Et ensuite on va appliquer ce qu'on a appliqué tout à l'heure sur la piste. Un léger mouvement en avant pour que l'hélicoptère prenne un peu de vitesse et naturellement, en gardant l'altitude, le variomètre à zéro, naturellement il va prendre de la vitesse et on va se dégager de la zone. Donc, je vais décaler mon hélicoptère vers la tour. On va simuler, un obstacle. Donc je vais être devant la tour et je vais vouloir passer de l'autre côté. Attention aux voitures, ouais, on va être rayé avec la poussière, je pense. Voilà, donc on est vraiment dans un mouchoir de poche, hein. On n'a pas beaucoup de place pour partir. Donc décollage vertical, on cherche notre stationnaire, on cherche notre point d'équilibre. Voilà, je suis en stationnaire, je ne touche pas le collectif, je cherche à être vraiment aucune montée, aucune descente, ni avant, ni arrière, ni droite, ni gauche, stationnaire. Pour l'instant, il est instable. Donc je ne suis pas en stationnaire. Voilà, là il est beaucoup plus stable. Et je vais mettre très légèrement du collectif. Pas besoin de mettre beaucoup. Et on va monter, on va mettre un peu de palonnier. On va toujours faire une recherche de référence au sol pour ne pas reculer, ne pas aller à droite, ne pas aller à gauche. On est pas mal. Bien sûr, on a notre repère visuel qui est devant nous, un arbre ou on peut rajouter un peu de collectif, mais pas beaucoup, hein. On continue de monter, donc c'est pas la peine d'aller vite. Voilà, on vient de passer notre obstacle et on va mettre un peu. On va chercher zéro au niveau de notre vertical speed et on va mettre notre manche légèrement en avant, on va accélérer et on peut se remettre sur l'horizon. Maintenant qu'on a accéléré, on se remet sur l'horizon, on baisse notre collectif qui est très élevé là puisqu'on est parce qu'on était en stationnaire et donc du coup on avait mis beaucoup beaucoup, beaucoup plus de couple qu'un décollage en translation. Et voilà, et je retrouve ma vitesse de 40-50 nœuds. Maintenant, pour le poser. Donc, on va dire qu'on va se poser mon traîneur en gare là. Donc, là, on va vraiment chercher un visuel, donc pas forcément évident sur cet hélicoptère. Où est-ce que je vais me poser? Ben, voilà, on va pouvoir se poser en verticale ici là. Ça va pas être mal. Donc je recherche vraiment une vitesse faible. Donc je décale un peu mon hélicoptère pour avoir une meilleure visibilité. Hein. Je continue mon taux de descente. On descend jamais très vite. On a l'effet de vortex qui risque de nous aspirer par le bas. Vous voyez là, hop. Donc on va vraiment chercher, on va stabiliser, on va passer au-dessus de nos obstacles. On a l'obstacle à gauche, obstacle à droite. Et on va stabiliser à 0 pied minute. Et on va vraiment faire notre stationnaire pour, et on va comment dire,
compenser pour se mettre à l'endroit où on veut exactement. À partir du stationnaire, voilà, j'ai mon stationnaire. Je peux baisser mon collectif doucement, très doucement. Je vais avoir l'effet de sol, ça va me... Comme j'y vais doucement, l'effet de sol, ça va me ralentir, naturellement. Je fais attention de ne pas trop aller à gauche. Parce qu'il faut toujours penser au rotor de queue. Voilà, je suis en stationnaire au niveau avec l'effet de sol. Et donc je descends le collectif pour me poser. Et je suis posé. Je coupe le collectif. Voilà, je suis bien arrivé entre mes bâtiments. Pas de souci. Voilà, donc pareil hein, pour le redécollage. Et on peut faire un vol de transition. On cherche notre stationnaire. On va dire que devant, il n'y a rien. On ne peut pas passer. Et sur la droite, c'est dangereux. C'est beaucoup trop. Donc on va faire un déplacement latéral par la gauche. Et là aussi, on va le faire tout doucement. On va vraiment le faire doucement. Donc on se met en stationnaire. On recherche toujours notre stationnaire. 0 pi minute. Je suis sur l'horizon. Je ne bouge pas. Et je vais faire une translation par la gauche. Je vais mettre du palonnier à droite parce que le nez va vouloir partir à gauche. Et j'y vais doucement. Je ne fais pas de... Voilà. Et là, mon avion, mon hélicoptère est en transition. Je monte un peu alors que je ne devrais pas. Je me remets à zéro en variomètre. Je diminue le collectif. Et voilà. Et là, je suis en vol. En translation. Latéral. Pour me remettre en normal. Alors, vous avez vu, hop, là, on monte d'un coup parce que on a contré, donc on a mis une importance beaucoup plus importante que quand on était incliné. Je me remets à zéro, je me remets sur l'horizon et je vais repasser en vol classique et on peut venir se reposer. Il y a une dernière manœuvre que vous pourrez essayer. On va prendre un peu de vitesse, donc j'augmente mon collectif. On va baisser le nez et on va prendre de la vitesse. Toujours pareil, 0 en vertical speed. On va laisser l'appareil gentiment accélérer. Si mon appareil descend, je tire sur le cyclique. S'il monte, je pousse sur le cyclique. Sachant que là, pour mon collectif, je ne veux pas y toucher. J'ai réglé pour moi la bonne puissance. Voilà, je vais prendre la vitesse. On va vouloir casser notre vitesse. C'est un exercice que vous pourrez faire. On va vouloir arriver sur une zone pour casser notre vitesse un petit peu plus vite, on va dire. Donc on va faire une coordination de notre collectif et de notre cyclique. Donc on va essayer d'arriver vers les 100 nœuds. Je vais augmenter encore mon collectif. Je vais entamer mon virage. Donc après, vous pourrez vous entraîner à faire des virages un peu plus serrés, d'où l'importance de la petite vitre là. Hein. Donc on essaie toujours de faire son virage avec le variomètre à zéro. Voilà, on est à 90 nœuds, c'est pas mal. On va repartir vers l'aéroport. Et vous pourrez vous entraîner à casser votre vitesse. Là, on avait dit, on se remet sur le vario zéro, on coupe le collectif, on se remet sur l'horizon artificiel, on diminue encore le collectif, comme je suis en train de faire là. Mais là, on va le faire plus vite. Donc là, j'arrive vite et je veux casser ma vitesse maintenant. Donc là, je vais carrément lever le nez. Mon appareil va vouloir se lever, mais je vais carrément baisser le collectif. Et là, on va casser, casser, casser la vitesse. Sauf qu'à un moment donné, il va tomber. Donc on remet du collectif. Là, j'ai cassé ma vitesse, je suis à 40 nœuds. Voilà, je suis passé de 90 à 40 nœuds en très peu de temps. Et maintenant, j'ai plus qu'à rechercher de nouveau ma vitesse lente, mon horizon, et je n'ai plus qu'à régler mon collectif pour augmenter ou descendre le taux de montée. Vous voyez, donc j'ai tiré sur le collectif, ça a cabré mon appareil. Ça a cassé la vitesse, j'ai descendu le collectif sans quoi j'allais monter très vite puisque là en tirant sur cyclique j'allais monter
d'un coup et je veux pas monter. Je veux casser ma vitesse en gardant l'altitude. Voilà, donc j'ai coupé le collectif. En tout cas, j'ai beaucoup diminué le collectif. Et à partir de ce moment-là, ensuite, j'ai remis du collectif parce qu'une fois ma vitesse arrivée faible, j'ai repoussé mon cyclique pour remettre l'appareil à plat. Et à ce moment-là, j'avais quasiment plus de collectif, donc il fallait vraiment que je remette du collectif pour reprendre une stabilité de l'appareil. Eh bien voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre cet appareil. Enfin, cet appareil, l'hélicoptère en général. C'est pas simple, mais quand on arrive à le maîtriser, c'est super intéressant et ça vous permet dans Flight Simulator de vraiment profiter de belles scènes. Bon, il y a des avions qui sont très lents aussi, hein, 80 nœuds, etc. Mais là, on peut faire du stationnaire, c'est vraiment bien. Merci, monsieur l'instructeur. Vous pouvez enlever votre casque. Ah non, pas celui-là, on va remettre l'autre. Et dernière petite indication, avant de vous donner un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Au niveau des commandes, le principal problème des hélicoptères, c'est qu'on est toujours en action sur les commandes. Ce qui fait qu'au bout d'une heure de vol, ben, voilà, c'est fatigant. Donc quand on est en vol, bon, on va pas parler du vol stationnaire, etc. Mais quand on est en vol normal, on peut bien sûr trimer. Si vous êtes toujours en avant, au bout d'un moment, c'est fatigant d'être toujours en appui sur le manche. Les manches d'hélicoptère sont neutres, il n'y a pas de ressort en fait, il n'y a rien. Donc pour le pilote d'hélicoptère, c'est pas très compliqué. Pour nous, c'est un peu plus. On a des ressorts sur nos manches. Donc vous allez pouvoir mapper les touches suivantes. Ce ne seront pas les trims classiques de vos avions. Ça va être ces trims-là. Donc au niveau de votre stick manche, pardon, ça va être les décrisses de rotor longitudinal trim. D'accord, il y en a d'autres comme ça. Et le increase rotor longitudinal trim. Donc contrôle trimming surface. On va toutes les afficher. Flight control surface. Contrôle trimming surface. On aura le increase longitudinal trim. Donc ça va être le trim. Increase et décrease longitudinal. Ça va être le trim de tangage. Et ici, on aura les trims de roulis. Latéral trim. Voilà. Donc à affecter pour vous soulager. Voilà. Vous soulager au pilotage. Voilà. Bah, écoutez, merci de m'avoir suivi. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que vous en avez appris. Il faut vous entraîner, essayer de refaire les exercices que je vous ai cités. Et vous verrez, ça va venir. Pour la suite, c'est simple. Je vais vous mettre sous la vidéo le lien vers un site canadien de pilotage hélicoptère qui va reprendre tout ce que je vous ai dit en bien plus complet. Et bien plus d'informations sur le rotor, son fonctionnement, etc. Vous comprendrez mieux. Et ça reprendra aussi des éléments que je viens de vous expliquer là sur le pilotage. Voilà, c'est un livre d'apprentissage au pilotage sur l'hélicoptère. Donc il est complet. Et puis, donc, comme vous êtes resté jusqu'au bout, je vous en remercie. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, un petit abonnement sur ma chaîne, ce serait top, s'il vous plaît. Et je vous laisse avec une petite vidéo, sans vouloir me la péter. Hein. Pour juste vous montrer que quand on arrive à maîtriser ses bases de faible vitesse, etc., et qu'on arrive ensuite à aller un peu plus vite et maîtriser l'appareil, on peut faire plein d'autres évolutions avec les hélicoptères. Et je vous fais une petite vidéo bonus pour ceux qui sont restés à la fin et vous fais une démonstration de ce qu'on peut faire. Allez, ciao, merci et à très vite. Bye.
Allez, bye à tous. Ciao.